Dans un repère, c'est la courbe d'équation y égale moins x puissance 4 plus 2x2 plus x, démontrer que la tangente au point d'abscisse moins 1 est aussi tangente à C en un autre point à préciser. Nous allons déjà visualiser le problème. Nous allons déjà visualiser la situation. Alors, la représentation graphique de la fonction est ici. Et j'ai placé un point M courant. Je vais le déplacer de façon à le faire arriver au point d'abscisse moins 1, qui a pour ordonnée 0. Nous visualisons la tangente à la courbe au point d'abscisse moins 1, et il semble qu'il existe un autre point ayant pour abscisse 1, qui possède la même tangente. C'est ce qu'il va falloir démontrer. Tout d'abord, il faut nommer la fonction. Effectivement, y égale moins x puissance 4 plus 2x2 plus x est une équation de courbe. Sans cela, nous n'allons pas pouvoir calculer la fonction dérivée. Donc, vous allez prendre cette fonction f de x égale moins x4 plus 2x2 plus x. Nous pouvons ainsi calculer la fonction dérivée. Cette fonction est dérivable sur R et la fonction dérivée est égale moins 4x à la puissance 4 moins 1, c'est-à-dire 3, plus 2 multiplié par la dérivée de 2x, de x2, c'est-à-dire 2x, 2 fois 2x, 4x, plus 1. Nous pouvons ensuite calculer le nombre dérivé de la fonction f au point d'abscisse moins 1, ce qui va nous donner le coefficient directeur de la tangente. F' de moins 1 égale moins 4 moins 1 au cube plus 4 fois moins 1 plus 1. Nous avons donc F' de moins 1 égale, donc moins 1 au cube, ça fait moins 1, moins 1 fois moins 4 plus 4, 4 moins 4, 0 plus 1. Donc F' de moins 1 égale 1. Voilà. Nous connaissons maintenant la fonction dérivée f' de x égale moins 4x au cube plus 4x plus 1 et le nombre dérivé en moins 1 qui vaut 1. Pour déterminer s'il existe d'autres points de la courbe dans lesquels la tangente a pour coefficient directeur 1, il faut déjà résoudre l'équation f' de x égale. En remplaçant f de x par son expression, nous obtenons moins 4x au cube plus 4x plus 1 égale, simplifions rien, moins 4x au cube plus 4x égale 0. La factorisation par 4x nous permet d'écrire 4x facteur de moins x carré plus 1 égale 0. Nous reconnaissons ici une équation produit. Pour qu'un produit de facteurs soit nul, il suffit que l'un des facteurs soit nul, 4x égale 0 ou moins x carré plus 1 égale 0. Nous avons donc x égale 0 ou x carré égale 1, dont les deux solutions sont x égale moins 1. Et nous reconnaissons ici le résultat précédent, f' de moins 1 égale 1, et la deuxième solution de l'équation x carré égale 1, x égale 1. Nous avons donc trois points d'abscisse 0, moins 1 ou 1, en lesquels la tangente à la courbe a pour coefficient directeur. Nous avons représenté la configuration. Nous voyons donc qu'au point d'abscisse moins 1 et au point d'abscisse 1,
Les deux tangentes ont pour coefficient directeur 1, effectivement, au point d'abscisse 1 ici, au point d'abscisse moins 1, pardon, ici, au point d'abscisse 1 ici, en A et en C. Les deux tangentes ont pour coefficient directeur 1. Il faut montrer de plus que ces deux tangentes ne font qu'une et sont confondues. Pour cela, nous allons calculer l'équation de la tangente en A, ici, et nous allons montrer que le point C appartient à cette tangente. Nous aurons ainsi démontré que la courbe possède une tangente commune de coefficient directeur 1 au point d'abscisse moins 1 et 1. Nous n'aurons aucune difficulté pour montrer que la tangente en haut n'est pas confondue avec cette tangente, puisque le point O n'appartiendra pas à cette tangente. Rappelons-nous de l'équation de la tangente à une courbe en un point d'abscisse petit a. Donc c'est y égale f' de a multiplié par x moins a plus f de a. Il nous faut tout d'abord calculer f de moins 1 pour calculer la tangente au point d'abscisse moins 1. F de moins 1 est égal à 0. Effectivement, moins 1 à la puissance 4, ça fait 1. Une fois avec le signe moins, moins 1. Moins 1 plus 2, 1. Moins 1, 0. F de 0 est égal à 0 et f de 1 est égal, donc moins 1 plus 2 plus 1, ça fait 2. Alors, la tangente au point d'abscisse moins 1. Y égale, le coefficient directeur c'est 1, facteur de x moins moins 1, ce qui fait x plus 1, plus 0, l'image de moins 1, donc ce qui nous donne y égale x plus 1. Le point de coordonnée 1, 2 appartient-il à cette tangente? Il s'agirait de ce point-là. Voilà. Alors, on remplace les coordonnées de ce point dans l'équation de la tangente et on trouve effectivement que 1 plus 1 est égal à 2. Donc, ces coordonnées vérifient bien l'équation de la tangente au point d'abscisse moins 1. Les deux tangentes sont donc confondues. Et il est évident que le point de coordonnées 0, 0 n'appartient pas à cette tangente, puisque ici l'ordonnée à l'origine n'est pas égale à 0. Nous avons donc montré qu'effectivement la courbe possédait en deux points une tangente commune en deux points d'abscisse moins 1 et 1. Je vous remercie de votre attention.